Bravo, monsieur Francky. Très bonne idée, ce menu créole à la cantine ce midi. Le boudin pillet, le colombo. Moi, j'adore les salivants relevés comme ça, comme le pain. Oh là, attention, Maëva, parce que quand on n'a pas l'habitude, faut faire gaffe avec le punch, hein. Vous en avez bu combien? Je finis mon deuxième, hein. Je suis trop raisonnable, hein. Oui, parce que c'est traître, hein. Ça se boit comme du petit lait, puis tac, d'un coup. Maëva? Maëva, ça va? Maëva, vous m'entendez? Bon, on a un malaise, là! On a un malaise, là! Regarde, elle vomit son boudin! Oh, le boudin au client! Oh, pas de colombo! Maëva, vous ne bougez pas, je vais chercher un technicien de surface! Le colombo aussi, elle le vomit! Mais Jean-Claude, faites quelque chose, enfin! Je crois que je vais donner ma démission. Moi, j'y pense aussi. La boîte a changé. Putain, ça fait chier, c'est pas... Saloperie d'entretien d'évaluation, là, mais... Franchement, qu'est-ce que c'est que ces procédés, là? Hein, demander à l'ensemble du personnel ce qu'ils pensent de ses collègues de manière anonyme. Mais c'est Vichy ou quoi? Hein? Tu sais qu'ils m'ont fait faire la dictée de pivot? C'est marrant, ça, remarque. Tu scores à combien? 72 fautes. Bon, des trucs pas importants, hein. Des liaisons, des accents, des conjugaisons, du vocabulaire... Bah, c'est l'orthographe, quoi, tu vois. Mmh. Mais bon, je bosse pas par écrit, moi, hein. Je me déplace. Puis tu sais comment je défends le produit. Hein. Ah ouais, ton truc, c'est l'oral. Bon, bah alors. Ouais, par exemple, j'ai eu le questionnaire de Proust, t'as pas eu ça? Si t'étais un animal, si t'étais une fleur, si t'étais une chaise, si t'étais un personnage célèbre. Ah, le coup du personnage célèbre. Mais qu'est-ce que t'as mis, toi? Rien, malheureux, faut jamais rien mettre. Personnage célèbre, les mecs, ils te jugent là-dessus. Je connais leur truc par cœur. Tu mets Napoléon, ils te prennent pour un petit chef borné. Tu mets, je sais pas, moi, Bob Marley, ils te prennent au mieux pour un dilettante. Ah non. C'est le moment de se barrer d'ici avec les indemnités, la tête haute. Voilà ce que je dis. Ouais, on va partir à zéro. Partir vivre sur les îles? Chez la concurrence. Faire des petits boulots, plagiste, prof de tennis. Quoi qu'avec le bagou que j'ai, diplomate. Oh, diplomate, ouais. Pour une grosse boîte, diplomate, c'est bien ça. Diplomate. Ouais, j'irais bien chez Digit. Ça ferait bien chez la direction, ça. Six étages au-dessus, je pisserais sur leur géranium, ça leur ferait les pieds. C'est le moment que je déteste le plus dans l'année. Dans toutes les boîtes, c'est pareil, hein. Faire la synthèse des entretiens d'évaluation annuelle. En plus, il va falloir que je bosse toute la nuit. Le DRH, il veut un compte-rendu dès demain matin. C'est la plaie. Francky, laisse-moi te dire que tu te rends complice d'un procédé unique de la part de la direction. Mais ils attendent que ça, la direction, de nous niquer. Mais pourquoi vous dites ça? C'est une base de données très intéressante pour l'entreprise. Et puis, ça peut s'avérer très constructif pour certains salariés. Certains? Ouais, certains. Oh, excusez-moi, là. Ma dictée. Là. Alors, je suis un professionnel. 2F, 2S, 2N, 2L, j'ai tout mis en double, c'est bon, hein? Oui, c'est très bien. Je barre rien. Quelqu'un pour personnage, c'est finalement tapis. Non. Je m'en vais au bureau. Jean-Marie Messier, c'est bien, ça tapis. Au bureau, T'O B R. Ah, je comprends pas, là. Je sais pas, cette voix qui a dû gonfler à cause de la clim, hein. Enfin, c'est pas possible. Je dois corriger faute. Bah, je fais que ça, mais c'est de la folie, là. Écoute, tu le fais exprès ou quoi? T'es enfant sauvage, Jean-Claude. C'est de l'illettrisme, là. Téléphone avec deux F. Enfin, quoi, y a pas deux F? Mais... Putain, mais corrige. Aïe. Oh, écoutez, je vais aller chercher un tournevis, Francky, hein. Ça va s'arranger. Prenez patience. Ouais, mais... Oh non, je peux pas, je te jure, je peux pas. Attends, je me prends un café, y a du boulot, là. Excusez-moi. Oui? Est-ce que je peux prendre ma journée? Vous savez bien que le jour des livraisons, c'est impossible. Mon père a une commotion cérébrale, j'aimerais aller le voir à l'hôpital. Mais oui, mais on a tous nos petits problèmes. Vous avec votre papa et moi avec cette foutue machine. Ça va? Ça va. Ça n'a pas l'air. Je suis un peu stressé. Ah bon? Bah oui, ça m'arrive. C'est fou, ça. C'est toujours du stress des employés qu'on parle jamais de celui des dirigeants. Et pourtant, moi aussi, j'ai mes problèmes. Hein. Les ressources humaines. C'est beau comme intitulé, mais croyez-moi, c'est pas toujours facile à gérer. Quand vous vous retrouvez en face de quelqu'un qui vous annonce qu'il est viré,
qu'il y en a qui deviennent menaçants, voire agressifs. Ah bon? Tiens, ne serait-ce qu'embaucher une femme. Vous pouvez pas savoir ce que c'est. Maintenant, elles peuvent avoir des enfants jusqu'à 40 ans. Alors, congé maternité à la charge de l'entreprise, remplaçante à trouver... Et puis, il y a les paperasses à remplir. Il y a les paperasses à remplir. Bon, et puis après 45 ans, une femme, c'est fichu. Plus rien à faire. Sans compter qu'une semaine par mois, c'est ingérable, si vous voyez ce que je veux dire. Puis, il n'y a pas que ça. Il y a les employés qui tueraient père et mère, juste histoire d'avoir des congés pour deuil. Oh, et des fois, j'aimerais mieux être en Asie. Ouais. C'est beau, l'Asie, hein. Là-bas, on gère 2000 ouvriers beaucoup plus facilement que 50 en France, en leur donnant $1 par mois. Allez donc leur expliquer ça ici. Bonjour. Salut. Bah tiens, pourquoi vous lui en parlez pas, lui? Il est psychologue d'entreprise. Mais j'ai pas de problème, moi. Les autres, oui. Eh ouais, les autres, toujours les autres. Vous, André, vous et moi, on se comprend, hein. Remarquez, c'est normal, on est quand même les deux plus proches collaborateurs du président. Alors on est ses deux bras droits, hein. Oui. Dites-moi, il vous parle de moi, des fois, dans la voiture? Enfin, ouais, de vous, des autres. Les autres. Moi, je pourrais vous en dire encore plus. En contrepartie, vous pourriez me parler de ses projets, ses aspirations, en particulier ce qui me concerne. Oui, mais à une seule condition. Oui? Je veux un gros câlin. Ah, Jeanne. Alors, comment ça se passe pour votre papa? Il est dans le coma. Ah, en tout cas, la machine, elle est réparée. Comme quoi, tant qu'il y a de la vie... Il y a de l'espoir. Ah ben, vous voyez, c'est pas moi qui le dis.